Aujourd'hui, nous allons voir ensemble l'histoire d'un champion aux petits soins pour sa maman, Seth. Être le patron, c'est vachement mieux qu'être un sous-fifre. Bien qu'il soit aujourd'hui un cador du monde criminel florissant d'Ionia, les origines de Seth sont modestes. Né de l'union d'une vastaya ionienne et d'un humain noxien, le jeune homme barbare était un paria dès l'enfance. Sa naissance provoqua l'indignation de la communauté vastaya de sa mère, qui exila la famille pour avoir violé les conventions tribales. Les humains d'Ionia ne toléraient pas beaucoup mieux cette union taboue, même si la terrible réputation du père de Seth dans les arènes de combat locales les dissuadait de manifester leur désapprobation. Le peu de sécurité dont bénéficiait la famille s'envola le jour où le père de Seth disparut. D'un coup, tous ceux qui ravalaient leurs commentaires à la vue de Seth se sentirent libres d'exprimer leur mépris. Le jeune garçon était dérouté. Il se demandait où son père avait pu partir et pourquoi les ennuis semblaient le suivre partout. Seth dut grandir rapidement. Il devint dur à force de subir les provocations et les menaces, et il commença bien vite à se servir de ses poings pour taire les insolents. Quand elle eut vent de ses combats, sa mère lui fit promettre de ne jamais s'approcher des arènes de combat noxiennes dans lesquelles son père se battait. Mais plus Seth se battait, plus il pensait à son père. Dans l'espoir de trouver l'homme dont il ne se souvenait que vaguement, Seth sortit discrètement au milieu de la nuit pour aller voir la reine. Il fut immédiatement fasciné par le spectacle. Des dizaines de soldats noxiens fraîchement débarqués à Ionia rugissaient dans les gradins, galvanisés par la soif de sang. Au centre de l'arène, des combattants venus de tous les horizons et pratiquant différents arts martiaux s'affrontaient dans des duels sanglants avec des armes diverses. Le gagnant était grassement payé en pièces noxiennes. À la fin de l'événement, Seth se renseigna sur son père et il apprit la dure vérité. Son père avait racheté son contrat et il était parti se battre dans des arènes plus lucratives. Il avait abandonné sa famille pour aller faire fortune à l'autre bout du monde. Fou de rage, Seth demanda à l'organisateur de le laisser combattre, motivé par l'espoir irrationnel que son père fût rentré de son périple et se retrouva face à lui. L'organisateur inscrit le jeune garçon pour le prochain combat, en pensant qu'il se ferait massacrer par un de ses poulains. Dès son premier crochet, l'enfant barbare devint le nouveau phénomène de l'arène. Bien qu'il n'eût pas de formation en arts martiaux, sa force primaire et sa férocité compensaient largement. Il pulvérisait ses adversaires à la technique plus travaillée comme un bélier enfonce une porte, sans jamais perdre de vue l'espoir d'affronter un jour son père. Il devint le roi de l'arène incontesté, amassant une fortune et laissant derrière lui un sillage d'adversaires brisés. Chaque nuit, Seth rapportait de l'argent et du confort à sa mère, mais il mentait toujours sur leur véritable provenance. La voir si fière de son succès et ravie qu'il n'ait plus à exercer des travaux ingrats attendrissait son cœur de pierre. Mais malgré cela, Seth ne pouvait s'empêcher de penser qu'il pouvait faire mieux. Être le roi de la reine était un bon début, mais être le propriétaire de la reine, c'est là que se trouvait l'argent. Un soir, après avoir défendu son titre devant une foule record, Seth fit une proposition à l'organisateur noxien et ses associés. Il leur suggéra de lui céder la propriété de la reine et de ses revenus. Lorsqu'ils refusèrent, Seth bloqua les portes. Quelques minutes plus tard, les portes se rouvrirent et les Noxiens en émergèrent avec le visage tuméfié et les lèvres sanguinolentes pour répandre le message. L'homme barbare était le nouveau chef. Désormais débarrassé des organisateurs, Seth prit le contrôle de l'arène dans laquelle il se battait autrefois. Les Ioniens qui n'avaient été conditionnés pour la guerre que récemment s'y précipitèrent pour satisfaire le désir de violence qu'ils venaient de se découvrir. Seth profita pleinement de cette nouvelle soif de sang et il accumula plus de richesses et de pouvoir que dans ses rêves les plus fous.
Il transforma la reine en plateforme de développement de son empire clandestin, où l'argent et le vice étaient rois. L'homme barbare qui dominait jadis la reine dirige aujourd'hui ses activités illégales d'une même main de fer. Chaque fois que quelqu'un s'oppose à son autorité, il s'occupe lui-même de le remettre à sa place. Chacun des coups de poing de Seth est un coup contre son ancienne vie de misère et d'exclusion, et il a la ferme intention de ne jamais la laisser se relever. Si vous êtes allé jusqu'à la fin de cette vidéo, écrivez Gudule en commentaire. J'espère que cette toute nouvelle vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, commenter. Tous ces gestes qui m'aident beaucoup pour le référencement. Vous êtes encore beaucoup à regarder les vidéos sans être abonné, donc ça serait super. C'est juste un petit clic et ça m'aide beaucoup. Et je vous dis à la prochaine.